Bonjour Gaël. Bonjour Joachim. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où nous sommes ? On est au jardin Leva, à Marseille, dans le 3e arrondissement, dans le quartier de la Belle de Mai. Et on est dans une encerclée de parcelles potagères. Et on a créé un plateau radio. Il y a un an, quand on a commencé ce travail documentaire, j'osais à peine rentrer dans cet espace potager. De fait, maintenant, je me sens un peu plus à l'aise. Et d'ailleurs, en fait, tu disais que ça serait un prétexte de faire cette fabrication du podcast, ça serait un prétexte pour être plus souvent dans ces parcelles potagères et passer du temps dans le jardin. On venait de faire un petit film sur le mur de la plaine et l'idée de se retrouver ici, d'écouter les oiseaux, de sentir l'odeur de la terre, de regarder les fleurs, c'était pas mal. Et tu voulais demander une parcelle pour cultiver. Ouais, voilà, la parcelle des documentaristes, c'était l'idée. Une façon un peu de rentrer en contact avec les autres jardiniers autour d'une pratique partagée. Ah, il se trouve que toi, depuis un an, tu cultives presque chaque semaine sur la parcelle du collectif des habitants organisés du 3e arrondissement. Et c'est vrai que moi, par contre, j'ai pas passé le pas, quoi. Bah pour moi, c'est plus facile parce que j'habite le quartier. Donc, de fait, ouais, y a des facilités. Certes, certes. Merci de me rassurer. Et est-ce que tu peux dire à nos auditeurs pourquoi nous avons réalisé cette enquête radiophonique ? On voulait accompagner la reprise du jardin par les habitants du quartier. Et c'est un quartier avec beaucoup de... un ancien quartier industriel avec beaucoup d'usines et peu d'espaces naturels. Et c'était ça qui motivait ce documentaire sonore. Et donc on est parti à la rencontre des habitants, des usagers du jardin, et on leur a demandé de témoigner de leur attachement à ce lieu. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais rappeler l'histoire de ce jardin ? Bon, alors d'abord, c'est le jardin d'un ancien couvent, fondé il y a plus de 150 ans. Il faut s'imaginer qu'ici, à l'époque, c'est la campagne. Et les sœurs trouvent le calme nécessaire à une vie contemplative et décident de dresser un mur autour d'un vaste espace agricole. Et du coup, un siècle et demi plus tard, les sœurs quittent Marseille, elles vont s'installer en Vendée et elles laissent derrière elles un morceau de campagne en plein milieu de la ville. C'est donc à une balade que nous vous invitons, où se nouent le passé, le présent et le futur de ce jardin. Une balade qui raconte comment les habitants ont lutté et continuent de lutter pour son ouverture, pour sa protection. Une balade qui documente les usages qui s'inventent au fil des saisons, pédagogiques, thérapeutiques. Bon, on y va ? Juste. Avant, vous allez entendre, dans l'ordre suivant, Jérémy, Agatha, Kera, Hélène, Jonas, Pancho, Leila, Rim, Iman, Bilel, Marion, Mathieu, Amel, Jérôme, Fatia. Toi, quand tu travailles, prends soin de ce lieu, est-ce que tu penses à son histoire, au passé, aux sœurs qui l'ont... Est-ce que ça t'arrive ? Moi, je pense un peu aux sœurs, mais je pense vite avant les sœurs, en fait, parce qu'au final, ce sol, il date d'avant les sœurs. Les sœurs, bon, elles l'ont bien entretenu, hein. Après, elles ont fait les hôtels, oui, elles ont planté les fruitiers aussi. Mais c'est vrai que je pense pas forcément aux sœurs, un peu quand même. Du coup, tu penses à quoi ? Bah, je pense à ce qu'il y avait avant. Moi, je pense à la campagne.
je trouve ça assez étrange qu'il reste que cette petite îlot de campagne à la Belle de Mai. Alors qu'il devait y avoir de vastes collines avec des vergers et la campagne dans ce quartier, quoi. Du coup, là, on est encore un peu dans le passé. Ouais. Ici. Ben ouais, on est dans le passé, ouais. À la fois, bon. Et en ce moment, là, la saison, elle est incroyable, là, ce qu'il y a ou pas, ou c'est. Bah, elle est incroyable, c'est le printemps, quoi. C'est tous les ans comme ça. ça repousse très très vite, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de formes très très différentes qui s'agencent d'un coup les unes à côté des autres, alors qu'il n'y avait pas grand chose avant. Enfin, si, il y a déjà plein de choses, mais bon, c'était moins flagrant. Et voilà. Et puis il y a le reflet du soleil qui est hyper différente sur chaque chose et qu'on remarque même plus à force de passer à côté, quoi. T'as le temps de le remarquer, toi, parce que tu travailles ? Oui, parce que je suis obligé de l'observer, de regarder les plantes, c'est quelles plantes qui poussent, et en fait, bon, ça joue beaucoup. Regardez, c'est les spigales qui poussent beaucoup, là. Entre les avoines très claires, donc qui font quelque chose de très, de très lumineux. Le pâturin un peu roux, un peu terne entre les deux. Et les spigaou avec des reflets violacés. Il y a quelque chose, non? Vous venez souvent au jardin Lebas? Oui, très souvent, moi. Je viens très souvent. Je ne vais pas dire le jour, la nuit, mais je suis là quand même assez souvent. Comme je ne travaille plus, donc je viens des fois même avec des mamans, avec leurs bébés. Et après, je viens aussi ici, parce que je trouve que c'est un moment convivial, quoi. Donc, voilà. Et j'ai besoin de voir du monde. Avec ce Covid, j'ai besoin d'avoir du monde. Voilà. Et vous faites quoi au jardin Lebas? Eh bien, ou je fais niente avec les mamans, je regarde les petits, je m'occupe des petits, ou alors, voilà, moi je j'aide, j'arrose un petit peu, j'arrose surtout, et on plante, on regarde, on observe surtout, voilà, et on admire. Tu viens souvent au jardin Lebas? Oui, bonjour, je viens souvent avec les enfants, et même avec mes amis, on prend des repas, du déjeuner, de thé, ensemble, et des fois on insiste à des spectacles ici. Vous venez souvent au jardin Lebas? Non, moi c'est la première fois. Je connaissais pas avant, c'est ma fille qui vient avec l'école qui m'en a parlé, et là j'ai une copine qui m'a ramenée. Et vous êtes du quartier? Oui, moi aussi du quartier, ouais, la Belle de Mai. Et voilà. Et c'est quoi vos premières impressions? Non, franchement c'est pas mal, c'est bien. Je trouve ça pas mal, ouais, que tout le monde vienne, plante, jardine en même temps, c'est bien, même pour les enfants, pour apprendre, se retrouver, tout ça, c'est bien. Par contre, tu as une planche là où tu peux, en passant comme ça et sur la planche, regarde, tu vois. On va partir du rosier que nous avons réussi à sauver avec Nathalie, je m'en souviens. Ce rosier date du temps du couvent. Hein. Les sœurs, elles avaient des légumes et compagnie, mais elles avaient aussi des fleurs. Hein, et les roses, moi, c'est affectif, c'est en lien avec ma mère, voilà. Hein, c'est le jardin de maman où il y avait plein de rosiers. Donc ça, c'est vrai que c'était ce jardin qui s'est ouvert petitement au démarrage, hein, avec le collectif Brouette dont je fais partie, on a eu... Dès qu'on a su en fait que la ville avait préempté et voulait l'acheter, tout de suite on s'est dit c'est un lieu extraordinaire pour se retrouver. On ne l'avait pas encore vu, mais on l'imaginait, parce qu'en fait du toit terrasse de la friche, on le voit.
Sinon, on ne le voyait pas, puisque on pouvait juste venir une fois par an pour acheter des plantes ou des confitures pas bonnes. Mais le jardin, on ne le voyait pas. On voyait juste le petit jardin du presbytère. Je veux dire, ce n'est pas un jardin de presbytère, je ne sais pas comment l'appeler. Et c'est vrai que le jardin, on l'a découvert en janvier 2017. Et il était extraordinaire parce que c'était l'hiver, c'était donc janvier, il y avait eu de la pluie. Ouais, j'étais en train aussi de me souvenir, c'est drôle, c'est en marchant dans ce jardin, il y a plein de choses qui reviennent, et notamment le poisson d'avril qu'une copine brouette avait fait en 2017, hein, en disant « pique-nique pendant la belle fête de mai au jardin Leva ». Il y a plein de gens qui se sont inscrits en disant « ouais, super, super », sauf que c'était un poisson d'avril, donc elle a mis en fin de journée « poisson d'avril ». Et ce poisson d'avril, il a eu du mal à passer pour certains, notamment juxtapose. Et pendant toute la semaine qui a suivi, j'ai pas arrêté de recevoir des coups de fil en disant « mais c'est pas possible, faut enlever, faut détruire cet événement ». Et donc il y a eu pendant une semaine, 15 jours, des tensions. Finalement, la ville... et aussi juxtapose, hein, de fait, on acceptait l'idée qu'on puisse faire un pique-nique, alors avec plein de précautions, bien évidemment. Donc je marche devant ou... Ouais, tu marches devant. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois où t'es rentré dans l'enceinte du jardin Leva? Eh ben, j'ai passé la porte. Bah, je pense que comme tout le monde, la première fois qu'il vient, j'ai halluciné. J'ai un peu avancé petit à petit en me disant mais qu'est-ce que c'est? Ah mais ça continue. Ah mais là-bas aussi, etc. Donc j'ai fait un grand tour. Tout au bout, il y a une, je sais pas qu'on appelle ça, un mini hôtel. Et en fait, il y avait plein de petites figurines qui avaient été enterrées et qui avait été déterré par les gens qui étaient arrivés, donc je sais pas si c'est des habitants, les gens du juxtapose, des artistes, etc. Parce que... Et toutes ces petites figurines, elles étaient toutes par terre devant l'hôtel, et elles étaient toutes décapitées, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de tête. Et il y avait un monsieur qui était là avec sa compagne, et eux, ils les remettaient sur l'hôtel, en fait. Et en gros, c'est là que je me suis rendu compte que du coup, les sœurs, avant de partir, elles ont caché, elles ont enterré, elles ont détruit tout ce qui représentait leur foi en fait, ou leur croyance quoi. Donc c'est pour ça qu'elles ont enlevé l'espèce de rosace qu'il y avait à l'entrée. Voilà, ils ont essayé d'enlever toutes les traces de... avant de partir, comme si elles avaient un peu auto-profané le lieu quoi, pour lui enlever sa sacralité. Je sais pas comment... Je sais pas c'était quoi la démarche, mais en tout cas c'était assez impressionnant, mais il y en avait 30, 40, peut-être 100 quoi. Donc voilà, et du coup ici où on est c'était une prairie quoi. Il y avait là, on distinguait bien les 1, 2, 3 restants. Donc du coup c'était vraiment un truc où là on s'est dit bon ça faut pas le perdre, faut pas qu'il se passe comme à l'ancienne maternité aussi. Donc du coup il y avait un potentiel parc et les habitants ils s'étaient mobilisés pour que ça devienne un vrai parc et ça a été vendu je crois à Pierre et Vacances pour en faire un centre de vacances privé. Donc du coup on l'avait un peu comme ça. Pourquoi vous avez créé les Amis du Jardin Leva? L'idée d'avoir une parcelle, ça voulait dire avoir les clés de la porte du jardin à un moment où c'était ouvert que le mercredi et deux dimanches par mois. Donc c'était un prétexte pour pouvoir ramener les habitants du quartier au jardin. Pour jardiner, mais aussi pour pouvoir avoir des enfants qui ont accès à cet espace qui était à ce moment-là, malheureusement, trop fermé, quoi. Bah, souvent, je raconte cette anecdote, c'est que bon, j'habitais la rue Clovis-Hugues, et donc il y a le coin pour tous, et moi j'avais ma voisine qui est du dessous, qui se retrouvait avec ses sœurs et leurs enfants, et ils se retrouvaient autour de ce micocoulier, là, mais au milieu des crottes de chiens et des... Et du coup, un jour j'aurais dit, je fais, vous savez qu'à 100 mètres il y a un jardin quoi. Ils c'était pas du tout au courant quoi. Du coup, j'ai amené une personne, je lui ai dit, vas-y, viens et tout. J'ai ouvert la porte. On a fait le tour avec deux, trois enfants. Alors les enfants étaient dingues et tout quoi. Du coup, j'ai dit, nous on a les clés, prenez mon numéro. Si vous voulez venir jardiner ou même juste profiter quand il y a quelqu'un,
faut pas hésiter, il n'y a pas de problème, quoi. C'est fait pour ça, quoi. Donc voilà, c'était vraiment le but. Puis en fait, au fur et à mesure, l'assaut des amis Jarnova, plus les Motamo, plus les gens qui étaient là et tout. Puis en fait, au fur et à mesure que le jardin s'ouvrait, ça a été de plus en plus connu par les habitants, etc., quoi. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette vigne? Alors, la courte histoire de cette vigne, parce qu'elle n'est pas là depuis pas longtemps, elle a été plantée par des membres du collectif des habitants organisés du 3e et des camarades zapatistes à l'occasion de leur venue au mois d'octobre. On a eu l'honneur de les accueillir ici. Comme eux, comme nous, on aime bien les symboles. Il y a eu l'idée de planter cette vigne ensemble pour marquer... c'est au moment où on a présenté le jardin, ce qu'on faisait, il y a eu toute une discussion autour de l'autonomie. Donc voilà, cette vigne elle a été plantée ensemble avec les camarades zapatistes. Moi je viens du peuple Rarámuri. De l'état de Chihuahua. De l'état de Chihuahua. Al norte de México. Au nord de Mexique. Y vengo como délégué du Congrès national indigène. Et moi, je viens en tant que délégué du Congrès national indigène. Et pues me da mucha emoción, gusto, no sé qué siento, pero algo siento. Et moi, j'ai envie de dire que je ressens de l'émotion et du plaisir et je sais pas ce que je ressens, mais je ressens plein de choses. De encontrarme con gente humilde, con gente sencilla. De rencontrer aussi des personnes qui sont humbles, des personnes qui sont simples d'ici en Europe. Desde donde vengo, se dice que Europa pues es el opresor, ¿no? Para otros pueblos. Depuis où je viens, on dit que l'Europe c'est, on va dire, l'oppresseur. Pero veo que también los pueblos sencillos, los pueblos o las comunidades, no sé cómo se organizan acá, pero hay mucha opresión también dentro de donde están los opresores. Mais je vois aussi que ici des peuples ou communautés ou je sais pas comment vous vous appelez ou comment vous vous organisez vraiment ici, mais que ici aussi des peuples humbles, ils sont aussi oppressés à l'intérieur de terres de l'oppresseur. Après, c'est pour ici, hein, tu vois, pour qu'on puisse les préparer pour après pouvoir le planter. Comme ça. Mais ils sont grands, là. Tout petits. Les grands. Ah, là, il y en avait. Regarde, là, il y a même des chocolats. Si tu veux. C'est chocolat de Pâques. Oh, je veux bien. C'est chocolat de Pâques. Mais il est dans un drôle d'état. C'est hein. Chocolat de Pâques. Je ne sais pas ce qu'ils font, là, les chocolats de Pâques. Ah, mais c'était peut-être les... C'est Marion qui les a retrouvés dans les ronds de permaculture. Ah, oui. Super. C'est tiens, trop bien. Regarde. De Pâques. C'est l'ascension, on est un peu en retard quand même. Hein. Pour les œufs de Pâques, ouais. Tu veux dire ? Oui. Il y en a beaucoup. Là, t'as la main remplie d'escargots. C'est cela qu'on mange alors ? Ouais. Tu les manges ? Oui, je mange. Il est bien pour la santé. Les escargots ? Ah oui. Lesquels ? Eh bien, les escargots sauvages. Le jour où j'ai trouvé, j'ai menti comment ? Mais il est bien pour la santé, hein. Tu sais, les... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est bien, les escargots ? Les escargots, il y en a beaucoup de vitamines dans les escargots. J'ai mis ici, après j'aimerais... J'ai ramené à la maison. Et toi, tu cultives quoi ici ? J'ai pas compris. Ici, il y a quoi comme plante que tu as mis ? Ah, j'ai mis les... Comment ça s'appelle les, l'artichaut. Les petites... Les trucs, ça, l'artichaut. J'ai fait les sébnères. Mars, Inch'Allah, j'ai fait les pois chiches.
D'accord. Comme ça, les mantes, ils te regardent les pois chiches comment. Tu fais aussi les tournesols. Tournesols, oui, l'année passée, j'ai fait les tournesols. Mais cette année aussi, Inch'Allah, j'ai fait les tournesols. D'accord. Parce que j'aime trop les tournesols. Du coup, toi, c'était quand la première fois que tu es arrivée au jardin Leva? Tu te souviens? Première fois. J'ai contente. Tu es entrée. J'ai contente. Et c'était comment? Je dis pas comment, parce que vraiment, j'ai contente. Je sens comme le truc à le bled. Comme au bled? Ok. Pourquoi? C'était parce qu'il y avait plein de... C'était... Il y avait plein de végétation, il y avait... Ouais. Parce que, aussi, j'aime les terres. La terre? Ok. Ouais. Ok. Ah. Et... C'est pour ça, même je prenais un peu comme ça, j'ai fait le truc. Je pense comme... Comme un filet dans le bled. Tu vivres presque comme le bled. C'est pas... Tu sens comme... Tu es pas loin. Tu es pas loin du bled. Est-ce que tu vends aussi des choses que tu... Ici? Comment? Sur le marché? Non, ça je me ramène parce que c'est pas tout aussi. J'ai parti, comment ça s'appelle, la montagne. Je me ramène, nous on dit le khoubiz. Le khoubiz ou le silk, je vendis, ouais. Mais maintenant il n'y a pas parce qu'elle est finie. Les myrtes, tu vendais des myrtes? Ah oui, les myrtes, ouais, les sur myrtes. Sur le marché de la place Cadena, tu vendais des... Oui, les myrtes. Parce que les gens, ils demandent ça. Pourquoi? Parce qu'elle est bien pour la santé, c'est pour ça. Elle est très bien pour la santé. Ça fait quoi pour la santé? Elle est bien pour le cœur, elle est bien pour l'estomac, elle est bien pour le cholestérol. C'est pour ça que les gens les demandaient. Moi, les jours où j'ai trouvé, je vendais. Et toi, est-ce qu'il y a une plante que tu aimes bien dans ce jardin? Une plante ou un arbre ou... C'est quoi ton... ici? Il y en a beaucoup. Il y en a comme les... Comment ça s'appelle? Les... je sais pas, le mishmesh. Mishmesh? Mishmesh, ouais. Ah, attends, Amel, elle va traduire. Amel, mishmesh. Les abricots. Les abricots, ouais. Les abricots? Ouais. Il y en a dans les jardins ici. Comment on dit un potager en arabe? Je sais pas, je connais pas. Jardin? Hein? Jardin? Il y en a deux façons. Jnina ou jardin. Nous, on dit deux façons. Les jardins. Comment tu dis? On dit jardin, on dit jnina. Jnina, ça fait jardin. C'est la même chose. Et comment on dit une plante? Une plante? Sajra. Il y a quelque chose avec les langues, les différentes langues dans ce jardin, non? Comment? Il y a beaucoup de gens qui parlent différentes langues. Oui, bien sûr. Il y en a algérien, il y en a tunisien, il y en a marocain, il y en a comérien, il y en a français, il y en a espagnol, il y en a beaucoup de langues ici. Toi, tu dis qu'on change un peu à chaque fois que... Ah oui. À chaque fois qu'on vient ici, on change un peu. Ah oui. Tu peux m'expliquer ça? Tu prends l'air, tu regardes les trucs naturels. C'est pas comme tu regardes dans ville. Qu'est-ce que tu regardes? Les murs, c'est tout. Mais ici, tu regardes les choses aimantées. Elle est bien. Toujours, on pense à ça. Qu'est-ce que tu penses? J'ai mis ça ici. L'avocat? Ouais. Ouais, je pense que c'est mieux de le mettre dans le coin. Moi, je pense à ça. J'en vois vraiment celle qui... avec les photos, j'en vois pédagogique. Génial. Ouais, je trouve ça génial. Elle a bossé. Elle a vraiment bossé, elle a fait un truc trop joli. Tac, 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 tu vois. Comme ça, tata, tata. Comme ça, chacun peut lire et être plus autonome, hein, tu vois. Carrément. Et là, il y a un peu, voilà, bon, on n'arrive pas à trop... Non, mais oui, quand même, hein, regarde. 405,
Répicage sur estanque, okay. Victor Hugo, des pieds de fraises. Reprise peu probable, avec un analyse, qui était restée dans les seaux, pourrissement. Feuille de remarque. Paille amenée. Paille amenée. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc? Ah, 5 mains. Tomate fois 2, fraise fois 3, basilic. Ok, ok. On note, ouais, là, c'est pas mal. C'est ça, et comme ça, on a un peu un suivi de ce qui a été à part des composts. Super. Qui et quand? Apparemment, c'est du coriandre. Oui, c'est ça que tu cherchais quand tu lisais la feuille campagnonnage? Elle est peut-être dedans, mais là, je ne l'ai pas vue. C'est, tu sais, les plantes qui vont bien ensemble, en fait, qui se protègent, qui se tutorent, qui, tu vois. Mais c'est peut-être là-dedans, puisque vous avez rangé des choses écrites. Tu vois, c'est une feuille plastifiée, comme ça. Non, ça, c'est de quoi ça, c'est bien. Avec tout un tableau un peu complexe, écrit petit, un peu chiant, mais... Ah, mais ça, je connais pas, ça. Tu connais pas? Non, ça, c'est pas... Non, ça, c'est le mail. Lavande dentée, verveine, ça, c'est un peu de tableau qu'elle avait fait comme ça. Ça y est, arrêtez de rigoler. Qu'est-ce que vous faites au Jardin Leva aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'entraîne pour la lutte qu'on va faire le 7 octobre. C'est quoi comme entraînement? On entraîne pour parler aux médias le jour de l'action citoyenne, parce qu'on a une action le jeudi 7 octobre contre les injustices de la RTM. Et c'est quoi les injustices de la RTM? Parce que normalement on a le droit d'une réduction de au moins 50% pour les bénéficiaires d'AME et c'est pas appliqué à Marseille. D'accord. Et le Jardin Leva, tu viens t'entraîner? Ah oui, je viens pour... on est là pour... on s'entraîne avec Gaël. Oui, c'est alors, lui qui nous aide pour parler aux médias. Arthur et Aziza. Et le poids national. Et c'est quoi vous faites partie de quel collectif? Le collectif CHO3. C'est quoi? Le collectif des habitants organisés de 3e. Et qu'est-ce qui fait le collectif des habitants organisés de 3e? Qui lutte contre les injustices appliquées au 3e. Ok. Et vous venez souvent au Jardin Leva sinon? Oui, on est souvent là. Parce qu'on fait des pique-niques le jeudi avec le CHO3. On fait des événements. C'est notre meilleur lieu. Oui. Oui. Pour se détendre, se relaxer par la verdure. C'est le meilleur. Avec les enfants parfois, les activités pour les enfants. Oui. On a fait une fête aussi le 6 juin ici. C'est une bonne fête. Ouais. Excellente fête. C'était bien passé avec les enfants. Ouais. Ok, super. Voilà. Merci. Comme ça, mais du coup, c'est bien. Comme ça permet de parler de la lutte aussi de la RTM. Les filles, j'ai trouvé une grosse chenille, la même que vous voulez. Où? Ah, ici, elle. Où? Celle-là. Où elle est? Elle est où? Attends, elle va ressortir. Ah, j'en ai trouvé un en blanc. Oh, vas-y. Ah, il y en a un autre. Allez, tu commences. C'est toi qui commence alors. Ok. Tu viens souvent au Jardin Leva? Ouais, je suis venue 5 fois à peu près. Et tu fais quoi? Des fois, je viens pour pique-niquer et je suis venue 2 fois ici au jardin. Pour? Bah, en fait, je savais pas qu'on pouvait planter, mais je sais pas. J'ai regardé les plantes et tout. Et voilà. T'as planté quoi? Bah, j'ai pas planté. J'ai juste regardé les plantes et il y avait un monsieur, il nous disait touchez pas. Oui, j'y vais à peu près souvent une fois toutes les semaines. Et tu fais quoi? C'est où je joue avec mes amis, où je regarde les travailleurs plantés par exemple, tout ça. Et c'est quoi jouer avec tes amis? Tu fais quoi? Cache-cache, un loup, et c'est tout. Hein. Mais il est trop bien le parc. Pourquoi il est trop bien? Il y a de la verdure, c'est bien, il y a de l'herbe. Il y a des fleurs et y a une bonne air là-dedans. Pourquoi c'est chaud? Il est chaud? Oui. Faut voir, attends, je touche. Il est chaud? Oui. Ah ouais, c'est vrai, il est chaud. Alors tu vois là, tu les mets là. Tu veux toucher le ver de terre? J'ai terminé. Tu veux le toucher? Ça fait des guilis. Ça fait des guilis.
Non, j'ai pas envie. Et doucement, quand tu le prends, tu le presses pas trop, sinon tu vas lui faire du mal. Allez, tiens, je lui prends la terre, il y a de la terre dessus. Bah, la terre, c'est pas ça la terre. Alors, regarde, là je renverse ton pot, tu peux aller chercher de la terre, t'as besoin de mettre de la terre jusque là. Waouh, elle bouge. Je suis tombée. Pour reconnaître cette plante, ce qui est intéressant, c'est de passer ses mains dedans et de sentir. C'est comme ça qu'on peut reconnaître l'odeur, qui est très proche d'autres plantes. Et du coup, en fait, c'est une lavande dentée. On peut bien remarquer au niveau des feuilles, elle est dentelée au niveau des feuilles. Et puis là, on peut voir même le côté brillant des huiles essentielles, quoi, de ce que produit la plante qui ressort au soleil. Là. Donc c'est une odeur extrêmement forte, c'est impressionnant. Et en fait, ces buissons sont partis d'une petite bouture que j'ai faite, pas plus haute que ça, il y a 2 ans. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette plante, c'est qu'elle était déjà là au temps des sœurs, les victimes du Sacré-Cœur de Jésus, qui était la congrégation qui était ici au couvent. Et donc en fait, il y avait des petits arbustes, enfin des petites plantes lavandes dentées comme ça, qui étaient un peu plus loin. Du coup, j'ai pris quelques boutures et maintenant, c'est gigantesque. Donc pareil, ces artichauts, voilà, ils étaient là au temps des sœurs. Moi, quand ils ressortent, il y a plein d'œilletons. Et donc tu peux en distribuer sur chaque pied d'artichaut, tu as 20 œilletons. Et tu peux en distribuer à plein de personnes, donc c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, moi pour moi, cette parcelle, elle a aussi ce côté un peu pépinière à ciel ouvert, où on peut, avec des pieds mers, redistribuer plein d'associations, plein d'autres personnes. Et donc là, ces artichauts, ils étaient là, autant des bonnes sœurs aussi. Enfin, des sœurs. Nous, on fait un verre de terre, vous pouvez nous en donner? Non. C'est même pas un verre de terre. Mais il était trop petit pour le voir. Vous étiez même. Allez, regardez comment il bouge. Allez, dépêche-toi avant qu'il sorte. Maintenant, on prend la chasse au verre de terre. Ce qu'on peut voir, moi j'ai beaucoup travaillé avec des enfants d'une école de l'école Bernard Cadona, juste à côté, à la Belle de Mai. Pendant presque 3 ans, j'ai fait des ateliers avec eux, bénévoles. Puis après, on a réussi à me payer 16 heures par semaine grâce à un budget participatif. Pilote qui était sur le 3e. Et en fait, beaucoup d'enfants n'ont jamais de contact avec le vivant. Je ne dis pas la nature parce que je trouve que ce n'est pas un terme qui est adapté. C'est vrai que quand tu habites en ville, tu es tout le temps dans le béton. Et par exemple, une des choses qui est assez caractéristique pour moi, c'est en fait, pour beaucoup d'enfants, la représentation de la terre, c'est que la terre, c'est sale. Parce qu'en fait, il y a très peu d'endroits où il y a de la terre, notamment à la Belle de Mai, il n'y a pas d'espace vert. Alors ici, c'est ça l'enjeu qui est important. Mais la terre, c'est au pied d'un arbre avec plein de caca de chien. Et donc, spontanément, les parents vont dire « touche pas, c'est sale ». Donc, l'image que les enfants ont de la terre, c'est que c'est sale. Donc, il y a tout un travail de réappropriation de ça, d'observation, de comprendre qu'est-ce que c'est que la terre, en fait, que la terre, en fait, elle est vivante, et qu'il y a des micros et des macro-organismes, des êtres vivants dans la terre, et qui fait qu'elle peut permettre qu'on fasse pousser des choses pour manger, quoi. Voilà le gros bestiole que j'ai trouvé. Regarde, le gros bestiole que j'ai trouvé. C'est un verre de... C'est une chenille. Voir la bestiole, s'il te plaît, parce qu'on en a besoin. C'est une chenille. Cette bestiole. Mais tu l'as fait quoi? Moi, j'ai plutôt apporté une approche de jardinage un peu à l'anglaise, où on mélange les espèces, on essaye vraiment de faire du compagnonnage, de garder des fleurs pour attirer les pollinisateurs. D'essayer de structurer un petit peu le jardin pour qu'on puisse s'y déplacer, pouvoir se balader, surtout... passer du temps à l'observer la beauté des plantes et vraiment s'imprégner de l'atmosphère d'un jardin, quoi, d'un jardin où tu peux te poser
et te sentir bien. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Donc, vraiment, moi, c'est un besoin de venir ici, littéralement, quoi. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los ricos coman pan y los ricos mierda, mierda. No, rien. Ah là là. Vas-y. Qu'est-ce que c'est pas la photo du tomate? De la tomate, oui, qui est tranquille dans son truc. Et s'il y a un... C'est pas sa faute s'il y a un grand fils de pute qui vient et les met dans une boîte et l'envoie à Caracas. Voilà, qu'il le met dans une latte et l'envoie pour Caracas. Et après la deuxième partie, il dit et quand est-ce que les dieux du ciel voudraient que la tortilla se retourne et que les riches mangent, que les pauvres mangent du pain et les riches merde. Et que les riches mangent de la merde, non? Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan, et là, voilà. Vous connaissez pas cette chanson? Elle est trop connue. Voilà. Alors on a dû l'entendre, mais c'est pas ce que ça voulait dire aussi. Tu vas souvent au couvent Levas? Oui, j'y vais souvent. Tous les mardis après-midi, on a fait un collectif sur la psychiatrie avec une amie et on s'est dit que le couvent Levas serait super de se réunir là-bas parce que on est à l'extérieur, sur la pelouse, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, il y a à boire, des toilettes, c'est assez chouette et propice à faire des rencontres. J'y vais aussi de manière plus... irrégulière avec des amis qui ont des enfants et qui veulent pas se promener dans la ville ou qui savent tout simplement pas où aller parce qu'à Marseille il n'y a pas beaucoup de parcs du tout. Donc je suis assez content que ça existe et j'espère que ça va continuer. Mais en tout cas tous les mardis après-midi à 14h on se donne rendez-vous avec des amis pour parler de psychiatrie, de rétablissement entre usagers de la psychiatrie. Donc c'est avec des gens qui sont passés par la psychiatrie ou l'hospitalisation et qui ont décidé de continuer à se voir pour en parler. On parle de notre vécu, de notre passage dans le soin public, de comment valoriser notre expérience, comment s'aider entre nous. Et c'est plutôt chouette, les gens sont très contents. Il y en a qui découvrent le lieu, qui sont très agréablement surpris. Il y en a qui connaissent parce qu'ils sont dans le quartier, ou alors ils ne connaissaient pas malgré le fait qu'ils sont dans le quartier. Et c'est chouette, on est tous très contents. Merci beaucoup. Mais de rien. Pourquoi ce figuier? Ah ben ça me rappelle le Maghreb, ça me rappelle chez moi. Ça me rappelle chez moi. Il y a beaucoup de figuiers en Algérie, donc... Donc c'est pour moi, c'est manger les figues. En plus, on avait toute une technique avec des roseaux pour les cueillir sans blesser l'arbre. Donc c'était... C'était quoi la technique? La technique, on prend un roseau, on le coupe en un gros roseau. Hein. On le taille un petit peu en trois entailles. Donc du coup, ça fait comme une fourche comme ça. Et cette fourche-là, donc on était... Il y en avait à Vida, des figuiers. Donc on prend la figue qui vient s'incruster là-dedans et doucement avec le roseau, on tourne d'un quart de cercle et la figue, on l'a et on la mange toute fraîche. C'est trop bon. J'adore ça. J'adorerais faire cet exercice-là. Et toi, par rapport aux arbres, tu as une certaine connaissance, tu as étudié... Eh oui, moi j'ai été forestière. Je suis... Pas plus. Ouais, j'ai fait des études d'agronomie et de foresterie en Algérie. J'ai pas pu travailler dans le domaine. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu mon diplôme en 95, les forêts étaient investies par des terroristes et c'était impossible d'aller faire son travail de forestier, de sauvegarde de la protection de la nature et de sauvegarde. Et voilà. Et donc c'était impossible. Et du coup, je trouvais un travail plutôt en ville. Voilà, c'est ma grande frustration.
T'es né et t'as vécu en Algérie. Oui. Et ton père était psychiatre. Mon père était dans la santé. J'ai fréquenté des psychiatres quand j'étais collégienne. Voilà. Et j'habitais dans un hôpital psychiatrique qui s'appelait l'hôpital Frantz Fanon, où Frantz Fanon a exercé quand il a eu son diplôme, après avoir fait son diplôme, c'était son premier poste. D'accord. Tu as des souvenirs de cet hôpital ? Ah oui, c'est un énorme parc avec des arbres, des magnolias, des pins, des eucalyptus. Vraiment, c'était une mini-forêt avec des pavillons comme ça parsemés. Et il y avait c'était et la petite ferme, elle était un petit peu en retrait comme ça, mais le parcours pour faire le tour de l'hôpital, il fallait une heure. Et Fanon a travaillé là-bas. Combien de temps il a travaillé pendant 4-5 ans. En tout cas, il a formé toute une génération d'infirmiers psy qui était dans la psychiatrie institutionnelle et qui était dans la réhabilitation du patient. Il y avait effectivement des pavillons qui étaient pour les chroniques, mais moi j'ai toujours vu des patients dehors, donc en liberté, en train de cheminer, d'aller travailler ou de nettoyer un peu le parc ou de s'adresser aux gens qui venaient, aux visiteurs. En tout cas, je voyais des familles s'asseoir avec leur fils ou leur frère, et dans ce joli parc qui était apaisant. Et moi, pour moi, la nature, il n'y a pas plus apaisant pour retrouver un équilibre psychique que la nature et d'être... sortir de cet enfermement que maintenant on se retrouve, la psychiatrie se retrouve. Et est-ce qu'il y a des moments où, ici, quand tu es ici, tu as des souvenirs, des réminiscences de cet hôpital ou... Ici, comme je travaille ici avec les patients qui sont en souffrance psychique, c'est aussi un lieu de soins. Et vous êtes combien quand vous venez ? Le jardin Leva, il est très attrayant. On peut venir à 10 des fois, même sur cette parcelle-là, on se marche sur les pieds, mais il y en a qui font, il y en a qui s'assoient, qui fument une cigarette, qui papotent, qui discutent, etc. Il y en a qui travaillent, il y en a qui se remettent au travail par la suite, mais il est très attrayant, on vient 6, 8, 10 à chaque fois. Et ce jardin, il a... c'est quoi sa place dans la ville ? Ah ben il faut plus de jardin. Ce jardin il faut qu'il reste parce que il fait c'est 1,7 hectare, je crois. C'est 1,7 hectare. C'est pas assez, mais il est là. Il faut qu'il reste ce poumon, ce petit poumon qu'il y a dans la ville. On peut faire plein de choses. Jardiner, se promener, se poser, se regarder la nature, écouter les oiseaux. C'est lire un livre. On n'a pas besoin spécialement d'avoir des spectacles tout l'été pour peut-être des choses un peu bruyantes. On a juste besoin d'apaisement. Et comme il est comme ça, comme sa configuration avec ses murs, on se sent protégé, on se sent reposé dès qu'on y rentre. Instrument hawaïen. Qui s'appelle ? Xafoun. Okay. Et qui est très, très agréable en lieu naturel. Voilà. Parce qu'il y a le côté saxophone, mais en même temps, il est tout en bambou. Donc il y a une sonorité qui est assez particulière, qui s'apparenterait pour certains instruments, soit très orientaux comme le doudouk,
soit plus occidentaux, comme la clarinette, la flûte à bec, voilà. Mais c'est vrai, chaque fois, les gens qui entendent ça, ils se disent, mais c'est quoi ce son? C'est une flûte à bec. Voilà. Tu me rejouerais un morceau? Ouais. Après le jardin Leva, il y a des périodes où j'ai jardiné, il y a des périodes où je suis venu en simple contemplateur ou même avec mon instrument de musique et comme ça de jouer pour les autres. Donc, on s'occupe d'une parcelle qui nous a été attribuée il y a un an. Elle a été attribuée à une association qui s'appelle J'aime Club Parenthèse, qui est une association de personnes qui souffrent ou ont souffert de troubles psychiques. Et donc au départ, c'était très beau, c'était couvert de folle avoine. Donc toute la parcelle était occupée par cette sorte de plante céréalière. Et petit à petit, il a fallu gagner les chemins, les parcours de la parcelle, petit à petit sur la folle avoine, et c'est assez drôle. Ici, dans ce jardin, mais pas que le nôtre, il y a une plante assez particulière qui pousse. Je ne connais pas son nom savant, mais celui que j'ai retenu, c'est la balotte. Alors, la balotte, c'est une plante qui a des vertus médicinales, qui, je dirais, peut-être antidépressives. Qui, si vous allez au Père Blaise, vous pouvez vous demander des comprimés de balotte. Et qui, on s'était dit au départ, dans l'organisation de cette parcelle, que peut-être on pouvait faire un carré de plantes médicinales. De se dire que, vu qu'on est une association où on consomme, pour certaines personnes, des Abilify, Xeroquel, toute cette famille d'antipsychotiques atypiques, neuroleptiques. Et du coup, on s'est dit, peut-être on pourrait essayer de faire pousser de la balotte et puis de récolter les graines, parce qu'en fait, ce qui n'est pas important, ce n'est pas le feuillage ou les tiges, mais c'est vraiment les graines qui sont produites. Et c'est vrai qu'on s'était dit, peut-être que ça serait bien d'organiser comme les bonnes sœurs qui devaient planter les plantes médicinales pour elles, de se dire, ben voilà, ça serait donc la plante phare, quoi. La plante du bonheur. Thank you.
C'est tous les petits choux. Et des petits choux. De la menthe. Des poireaux. Je me demande qui c'est qui va prendre soin. Est-ce qu'on collectivement, voilà, c'est un peu mon inquiétude. Est-ce que collectivement on pourra prendre soin de ce jardin et de sauvegarder ce bien commun. Et parce qu'il y avait, il va y avoir un prestataire dans 6 mois. Je sais pas qui c'est. Il va y avoir un travail sur un cahier de charge. J'espère que collectivement on aura à mettre des choses plus qui nous appartiennent que ça appartient à l'institution, mais voilà. En tout cas, il faut se battre pour le conserver et le sauvegarder. Et toi, il y aurait des choses que tu aimerais graver un peu dans le marbre? Comment doit être ce jardin pour le futur? Quelles sont ces grandes comment on pourrait c'est pas le définir, mais le... Les choses auxquelles tu tiens. Ouais, les choses auxquelles tu tiens, c'est quoi? Qui reste populaire, qui reste... Moi, je fais confiance à l'intelligence citoyenne, donc je pense que collectivement, chacun pourra apporter sa petite pierre et qu'on peut très bien se passer d'un prestataire et qu'on peut instaurer une mini-organisation, on n'a pas besoin plus que ça. Et que ça se passe dans une bonne ambiance. Et voilà. Donc, un peu de technique, certes, qu'il le faut. Parce que pour prendre soin, il faut. Donc, chacun de nous peut l'apporter. Un petit savoir-faire, on l'a tous. Hein. Et voilà. Donc, il faut qu'il vive. Il faut qu'il vive ce jardin. Il y a des petits coins là. Il faut, qu'il soit vivant par ses végétaux et vivant par les gens qui le pratiquent. Voilà. Et il ne faut pas que l'institution vienne nous mettre un cadre rigide, rigoureux. Voilà, donc je ne sais pas, ils n'ont pas encore pris conscience, ou alors on n'a pas su transmettre comment on le voit évoluer, comment on le voit gérer par nous. Et en tout cas, voilà, depuis 3 ans, en tout cas, il y a des liens qui se sont tissés, ça, c'est indéniable. Et je pense qu'ensemble, on peut proposer des choses intéressantes. Déjà, le jardin partagé, et puis tout le reste, l'occupation de tout le reste, comment ça doit être la prairie, les arbres fruitiers, les vergers et tout. Voilà, c'est tout ça qu'il faut, tout cet espace qu'il faut qu'on réfléchisse que... ensemble, comment on peut le faire, comment on peut le pratiquer. Ouais. Je ne sais pas si c'est la démarche de Juxtapose, mais je mets des points d'interrogation. Et de la mairie, hein, surtout. Parce que c'est la mairie qui est derrière que tout ça, qui ne veut pas... Voilà. On continue un petit peu la balade. Allez, on ressort par là.